Bonjour à toutes et à tous. Ah, ça commence. Aujourd'hui est un grand jour, un jour important, puisque nous sommes ici pour célébrer les 75 ans de la libération de la France. Cela a été rendu possible grâce à des hommes qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour la liberté de notre pays. Beaucoup y ont laissé leur vie. Mais ce ne sont pas les seuls à s'être investis dans ce conflit. Des femmes ont donné de leur personne pour s'occuper des soldats sur le front. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Pour terminer ce discours, je voulais vous dire que c'est un immense honneur pour moi d'être la présidente de la commémoration des Rochambelles cette année. Mon arrière-grand-mère était une Rochambelle. Elle s'appelait Marie. Je suis fière d'être la descendante d'une femme aussi courageuse qu'elle. C'est pourquoi je voudrais qu'en cette journée de commémoration, nous rendions hommage à Marie et à toutes ces femmes qui ont trouvé suffisamment de force en elles pour participer à cette guerre désastreuse. Bien, il me semble vous avoir tout dit. Je souhaite à chacun de vous de passer une bonne journée en notre compagnie. Votre présence à cette commémoration montre l'importance et l'impact qu'a eu cet événement historique sur l'humanité. Et il ne faut jamais l'oublier. Merci à tous. Maman, où es-tu? Je suis dans le jardin, Claire. Viens. Ah, Gaspard, Valérie, je suis heureuse de vous voir. Moi aussi, grand-mère. Bonjour, grand-mère. Ça va, maman? Ma foi, oui, toi. Comment te portes-tu? Très bien. Comment vont tes douleurs? Ah, mes maux de dos ont diminué et ma douleur au poignet est bien plus supportable. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Et toi, que racontes-tu? Comment se passe ton travail? Vraiment bien. Le directeur veut que j'évolue vers un poste plus haut. Il cherche une nouvelle assistante et il trouve que j'ai les compétences et les expériences pour. Bien, très bien. Venez donc vous servir. Il y a des beignets et du thé. Ah, Valérie, est-ce que tu veux aller me chercher mon courrier, s'il te plaît? J'ai oublié de le prendre tout à l'heure. Oui, bien sûr, j'y vais tout de suite, mamie. C'est une bonne chose pour toi, Claire. Ton évolution est quelque chose d'important pour ton avenir. La chance te sourit. Tu tiens sûrement ça de moi. Regarde, grand-mère, comment je joue! C'est bien. Grand-mère, voilà plein de lettres que t'as reçues. Merci, ma fille. De rien. As-tu prévu quelque chose, maman, pour les semaines à venir? N'aimerais-tu pas partir un peu, loin de ton quotidien? Mais il me plaît, mon quotidien, et puis je suis vieille pour ça maintenant. Maman? Qu'as-tu dit? Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. C'est quoi cette lettre? C'est la fille d'une amie, une très vieille amie qui me l'envoie. Et qu'est-ce qui est écrit? Mon amie est décédée. Quelle amie? L'une des infirmières de mon unité durant la guerre. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps, et voilà qu'elle s'en est allée elle aussi. Hé, dis grand-mère, comment as-tu rencontré ton amie? Durant la guerre 39-45, nous faisions partie de la même unité d'infirmières. On soignait des soldats blessés au combat. Oh, on en a vu des horreurs à cette époque. C'est aussi ce qui nous a rapprochés. Nous faisions partie du groupe Rochambeau, créé par notre commandante Florence Conrad. Tu veux bien me raconter ton histoire? Que veux-tu savoir? Je veux tout savoir. Il y a maintenant un peu plus de 40 ans, la guerre qui opposait, en particulier l'Allemagne, aux autres pays du monde a éclaté. À l'époque, Florence Conrad, une américaine francophile, qui considérait que la situation de la France et des autres pays concernait tout le monde, et qu'il fallait que chacun s'investisse pour retrouver la paix, a décidé de créer une unité de femmes infirmières qui irait au front afin de soigner les soldats. Elle a baptisé ce groupe Rochambeau, en hommage au comte de Rochambeau. Mais qui est-ce? Un officier français. Célèbre pour s'être investi aux côtés des Américains durant la guerre de l'indépendance des États-Unis. Étant d'origine américaine, la symbolique lui tenait à cœur.
Les Rochambelle étaient une unité d'infirmières volontaires, engagées au combat lors de la libération de l'Europe, et l'une des seules unités féminines à s'être engagée sur le front européen. Tout avait commencé avec Florence, étant infirmière à la Croix-Rouge. Elle s'est investie à sa façon pour la paix durant la Deuxième Guerre mondiale, en créant cette unité d'infirmières. Pour ce faire, elle a donc commencé à parler de son projet à des personnes susceptibles de l'aider, financièrement, grâce à leur position sociale. Vous ne connaissez pas la dernière ? Non. Mrs. Howard. Ça ne m'attire pas, elle. C'est combien de fois ce mois-ci ? J'ai arrêté de compter. Mesdames, Florence Conrad, merci de vous être dépassée jusqu'ici. Si je vous ai conviée ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon projet face à la situation désastreuse de ce monde. Cette guerre concerne chacun d'entre nous, et tout le monde est touché par ce désastre. Ça ne peut plus durer. C'est une certitude. Mais que pouvons-nous faire ? Nous sommes les victimes d'une chose bien plus grande que nous. Eh bien justement, si nous sommes des victimes, nous devons nous défendre. Nous devons être acteurs de cette guerre. Participer à cette guerre ? Que vous arrive-t-il, ma chère ? Tout cela est bien loin de nous, et nous ne sommes que des femmes. Le fait que nous soyons des femmes ne limite en rien nos moyens de nous battre, à notre manière. Cette guerre concerne les hommes, les femmes, les enfants de tous les pays. Que devrions-nous faire ? Rester dans nos maisons, bien au chaud, au fond de nos fauteuils, à regarder ce monde périr ? Nous avons la possibilité d'apporter notre aide à ces êtres humains qui se battent pour notre liberté, pour nous sauver. Ils ont besoin de notre soutien et nous pouvons leur apporter notre aide. J'irai au front. Je connais cette situation. Lors de la Grande Guerre, je faisais partie de la Croix-Rouge. J'étais déjà infirmière. Aujourd'hui, je veux m'impliquer de nouveau. C'est comme un devoir pour moi. Je veux créer une unité indépendante de toute autre qui soit sur le front, au plus proche des soldats. Mais pour cela, il me faut du financement. Pour pouvoir obtenir du matériel, des ambulances, des trousses de secours et des lits décents. Je ne vous demande pas de prendre part physiquement à cette action. Quand bien même, si vous m'aidez, vous pouvez la mettre en place avec moi. Cela paraît peut-être rien, mais en réalité, c'est une aide précieuse. Je vois. C'est donc la raison pour laquelle je fais appel à vous, mesdames. C'est en parlant de son projet à des personnes de bonne société que Florence a réussi à obtenir assez d'argent pour financer tout le matériel nécessaire. Comme pour financer des bandages, des bouteilles d'alcool, mais surtout... 19 ambulances, WC-54 Dodge flambant neuf. Il ne lui restait plus qu'à trouver un maximum de femmes qui accepteraient de se rallier à sa cause. Elle ressemble à quoi, ton ennemie, grand-mère ? C'est elle, Lucie Desplanck. Et vous voyez cette femme ? C'est Florence Conrad. Elle avait de l'allure. Oui. Cette femme, c'était quelqu'un. Est-ce qu'elle a réussi ? À quoi donc ? À rassembler toutes ces femmes pour aller au front. Entrez ! Sa ténacité et son entrain ont motivé 14 Françaises, qui demeuraient alors à New York, à se joindre à elle. Merci à toutes d'être venues et de donner de votre temps pour cette cause. Merci de venir en aide à ces soldats qui risquent leur vie tous les jours pour nous tous. C'est à nous aujourd'hui de donner la nôtre pour eux. Nous avons pris une décision, celle de servir notre pays. Si nous devons mourir pour sauver des vies, pour sauver l'avenir de nos enfants, alors je n'ai pas peur. Vous savez donc ce qui nous attend. Nous partirons au Maroc. C'est une zone libre. En attendant, nous stationnerons au camp François Henry, en Virginie. Préparez-vous. Elle a réussi à recruter quelques Américaines, ainsi que Suzanne Torres. Elle a dû persuader avec force et témérité afin qu'elle puisse adhérer à son projet. Si Suzanne était réticente, c'est parce qu'elle s'est vue refuser son intégration à la délégation de la France libre par les autorités américaines car elle était une femme. Mais ressentant l'immense besoin de servir sa patrie, elle finit par accepter le projet de Florence, qui voit alors en elle l'adjointe idéale. Acceptant ses fonctions,
Suzanne s'octroie 2 galons de lieutenant, un grade qu'elle garda tout le long de la guerre. Une 20aine de femmes sont donc arrivées à Casablanca par le bateau du pasteur en automne 1943. À l'époque, Suzanne a connaissance qu'un certain général Leclerc forme une division blindée à Rabat et Témara. Elle partit donc pour Alger, où elle rencontre le général Koenig, qu'elle persuade de contacter le général Leclerc pour l'intégration de sa section sanitaire féminine à cette 2e division blindée. Elle propose les 19 ambulances neuves et les jeunes femmes volontaires. Seulement voilà. Dans un premier temps, il n'accepta que les ambulances, mais pas le groupe de femmes. C'est devant la détermination et l'insistance de Florence, et aussi parce qu'il ne veut pas que les ambulances lui échappent, que le général finit par accepter la présence des Rochambelles, mais il n'acceptera de les enrôler qu'après les avoir vues à l'exercice. Que s'est-il passé ensuite ? Quelques femmes ont quitté le groupe Rochambeau pour des raisons personnelles ou pour être infirmières à l'hôpital de la 2e division blindée. L'effectif ayant diminué, il fallait de nouvelles ambulancières de toute urgence. C'est à Suzanne Torres que Florence a confié la mission de trouver des volontaires. Elle a donc recruté des femmes habitant l'Afrique du Nord ou ayant franchi clandestinement la frontière des Pyrénées. Mais toi, où est-ce que tu as été recrutée ? J'ai été recrutée à ce moment-là, au Maroc. Je sortais de chez moi pour aller faire les courses de mes parents. C'est là que j'ai vu une de ces ambulances arriver devant ma maison. Et il y avait 2 femmes à l'intérieur. Je trouvais cela très étrange, bien sûr. Je suis donc allée me renseigner. 3 jours après, je m'étais engagée. Sans vous, beaucoup de soldats seraient morts aujourd'hui. Vous leur avez sauvé la vie. Bien oui, beaucoup d'entre eux seraient morts aujourd'hui, sans notre aide. Mais c'était le début. Nous n'avions aucune expérience et ne connaissions rien à la réalité du front. Ils avaient du mal à accepter l'idée que des femmes puissent participer activement et physiquement à la guerre. Le combat était la place des hommes, pas celle des femmes. Nous n'avons rien fait contre leur rejet. Nous avons simplement ignoré le sarcasme et les intimidations. Nous avons persévéré dans notre travail et petit à petit gagné leur galon. Qu'est-ce que vous avez appris, grand-mère ? Des choses diverses et variées. Nous avons tout aussi bien appris les gestes de premier secours que la mécanique. Nous devions être irréprochables afin de convaincre l'armée de nous enrôler. Nous nous sommes donc formés aux tâches, comme faire des bandages, des garrots, des injections, ou réparer un gicleur et changer une roue. Cette guerre est bientôt terminée. Ça fait déjà 5 mois qu'on est là et j'ai pas l'impression que les choses bougent. Mais ça a bougé, Marie, grâce à la résistance. Nous sommes au front, nous voyons des horreurs tous les jours. C'est pour ça que nous avons l'impression que rien ne change. Nous voyons la même chose depuis 5 mois. Mais ça a bougé, Marie, et positivement. Le général arrive. Votre entraînement en mécanique est terminé. Nous allons revoir point par point les gestes pour sauver nos soldats, ainsi que l'attitude à adopter pour vous protéger quand vous irez au front. Rendez-vous dans 30 minutes à la salle d'entraînement. Pompée. Mesdames, comme vous le savez, il y a maintenant près de 4 ans, le général de Gaulle a passé une annonce radio de Londres afin que l'on s'unisse à la résistance. Vous avez répondu à cet appel en venant aider nos soldats. Je vous annonce que nous partirons bientôt pour l'Angleterre. C'est une étape nécessaire. Il nous faut rejoindre les forces alliées qui préparent le débarquement de Normandie. La situation évolue. Il nous faut des personnes compétentes, c'est pour cela que vos entraînements perdureront jusqu'à l'embarquement pour la France. Il faut que vous soyez prêtes. Nous sommes arrivés en Angleterre en avril 1944. Nous y sommes restés près de 4 mois, dans l'attente quotidienne de l'annonce du départ pour la France. Nos journées sont ponctuées d'entraînements, de mécaniques et d'exercices en tout genre. Il fallait que le groupe des Rochambelles soit prêt. En août 1944, nous débarquons sur les plages normandes, dans des conditions effroyables. Dès le lendemain, nous vivions notre première nuit de bombardement et nos premières évacuations. C'était la première fois que nous nous retrouvions sur un terrain en guerre. Nous ne savions pas comment réagir face au danger, malgré que nous soyons bien entraînés. Là, c'était différent. Nous n'étions pas à l'entraînement. Tous les jours par deux, on évacuait les blessés de la zone de combat après avoir établi un rapide diagnostic et prodigué les premiers soins. Nous ne pensions plus au bruit, aux cris, ni à notre peur de mourir. La priorité était de sauver des vies.
et rien n'était plus important. Ça devait faire peur. Oui, ça faisait peur. C'est pour cela que quelques Rochambeaux ont décidé de quitter la division. Elles ne se sentaient finalement pas capables de vivre ça. La terreur l'emportait. Florence Conrad elle-même ne pouvait plus assumer ce rôle. Et elle laissa sa place petit à petit à Suzanne. Marie, peux-tu me passer les ciseaux, s'il te plaît ? Merci. Il va falloir vous reposer, le temps que vos blessures se remettent. Vous êtes en très mauvais état. Pourrais-je avoir du papier pour écrire ? Bien sûr, je vais vous chercher ça. C'est pour ma femme, elle doit s'inquiéter. Je n'ai reçu aucune réponse à mes dernières lettres. Oui, elle le mérite totalement. Elle a pris tant d'énergie pour créer cette unité et nous former. Bien sûr. Mesdames, bonjour. Au repos. Je tenais à vous remercier pour tout le travail que vous avez fait. Pour être resté avec vous. Je tenais à vous féliciter personnellement pour tout le travail accompli. Sans vous, bon nombre de mes hommes seraient actuellement morts. Je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Comme vous le savez, nous avions conclu que vous resteriez jusqu'à la libération de Paris. Et après en avoir parlé avec Madame Conrad, vous allez pouvoir rester avec nous jusqu'à la fin de la guerre, qui par ailleurs approche à grands pas. Vous êtes des femmes tenaces, nous avons de la chance de vous avoir à nos côtés. Par ailleurs, j'ai un message important de la part de votre commandante. Nous venons d'avoir une longue discussion et Florence a décidé de rester sur Paris. Elle ne nous suivra pas. Elle m'a demandé de nommer officiellement une nouvelle commandante. Cela tombe bien que vous soyez là, Madame Torres, puisque c'est vous qui l'a choisie comme remplaçante. À Suzanne ! À Suzanne ! Je suis très honorée qu'elle m'ait choisie pour la remplacer. J'espère vraiment être à sa hauteur. Vous en êtes tout à fait capable, croyez-moi. Depuis des mois que je vous observe, je puis vous l'assurer. Merci, mon général. Aux côtés de la 2e division blindée, nous allions jusqu'au Nidec, l'un des QG d'Adolf Hitler, près de la frontière autrichienne en Bavière. C'est à ce moment-là que nous avons appris le 7 mai 1945, la fin de la guerre. Roman, tu es venu nous voir là, pour un film, un court-métrage que tu voulais tourner sur la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Alors en fait, c'est un film sur les infirmières lors de la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément sur les Rochambelles. Donc c'est des femmes infirmières ayant participé à la Seconde Guerre mondiale en allant sur le front avec les soldats. Et c'est donc les seules femmes autorisées à faire ça. Et en fait, en faisant ce film, je voulais rendre hommage à ces femmes-là, puisque la tante de mon père, Marie-Thérèse Tarquois, en était une. Et aujourd'hui, elle est décédée, depuis maintenant un an. Et je me suis dit, vu que peu de personnes ne connaissent leur histoire, ça serait vraiment sympa et agréable pour tout le monde d'avoir un film sur ces femmes-là. Et comme ça, ça leur rend un énorme hommage. Parce qu'elles se sont sacrifiées, elles ont donné de leur personne pour sauver le maximum de soldats. Et ça me tenait vraiment à cœur, puisque moi j'adore l'histoire. Et j'ai toujours voulu travailler dans le cinéma, et je me suis dit que faire un mix des deux,
mettre l'un et l'autre ensemble, ça serait vraiment, vraiment pas mal. Tu as une personne de ta famille hein, qui était donc Rochambelle, voilà. Et qui a certainement peut-être eu l'occasion de te raconter une anecdote, des histoires. Est-ce que tu as une anecdote particulière à nous? Oui, alors justement, la tante de mon père m'en a raconté une qui m'a vraiment énormément marquée. C'est quelques temps après la guerre, quelques années après la guerre, elle rejoignait des amis, prendre un verre, prendre un petit café. Et en fait, elle s'est fait interpeller par quelqu'un dans le café. C'était une Rochambelle, une des Rochambelles avec qui elle avait travaillé pendant la guerre, qui l'a reconnue et elle lui a dit « Ah tiens, Marie-Thérèse, il y a quelqu'un qui voudrait te parler là-bas. » Du coup, elle est arrivée, elle a vu un des soldats qu'elle avait soigné pendant la guerre. Et au moment où elle s'est approchée de lui pour lui dire bonjour, elle a vu qu'il avait plus de bras, plus de jambes, mais vraiment amputé des quatre membres en fait. Et ça l'a vraiment perturbée, elle a failli tomber dans les pommes en voyant ça, parce que c'était hyper... Elle l'a quitté, alors qu'il était encore avec tous ses membres. Et là, elle a pris la décision, à ce jour-là en fait, il était dans un état critique, et au lieu de l'emmener dans un centre de tri, comme elle devait le faire, elle a pris la décision avec sa collègue, d'en l'emmener directement à l'hôpital. Et en faisant ça, ça a permis à cet homme-là d'être sauvé. Aussi, une autre anecdote qu'elle m'a racontée et que j'ai beaucoup appréciée, c'est que c'est la dernière personne vivante à avoir vu le général Leclerc en vie avant qu'il ne disparaisse malheureusement dans son crash. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.